Pourrais-je parler à la police? Vous avez demandé la police. Ne quittez pas. Papa? Papa? Ici l'officier Murphy, que puis-je pour vous? Oh, vous devez absolument m'aider. Mon bébé est enfermé dans une maison et les gens à l'intérieur refusent d'ouvrir. Ok, on arrive tout de suite. Appelle les fédéraux. C'est un kidnapping. Non, c'est ton tour. T'as les nouveaux. Madame, il semblerait qu'on ait un kidnapping d'enfant. Ça a l'air plutôt sérieux. Pas de soucis, je m'en charge. Cette porte et sauvez votre bébé. Oh, oui, mais faites vite. Un instant. Que tout le monde reste calme. Essayons de négocier avec eux. Vraiment ? Allô? Allô? Biaou! Ici le FBI, qui est à l'appareil? Biaou! Qui est Biaou? Vous parlez français? C'est vous le leader? Monsieur Biaou, ne nous énervons pas. Quelles sont vos demandes? Waouh, de vrais pros. Incroyable, ils ont raccroché. Alors c'est décidé, on entre et on défonce tout. Ouais. Bien parti. Calmez-vous. On va tenter un autre type de négociation. Plus rien. Ils doivent être en train de digérer. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez sauver mon petit bébé! Baissez-vous! J'en ai assez! Je vais entrer là-dedans et tout défaire! Ils ont de l'artillerie lourde! Je ne reconnais même pas ce calibre. Il faut qu'on entre! Bien dit! Allons défoncer la porte! Du calme! Essayons avec l'ESPY 69000. Qu'est-ce que c'est? Je peux... Qu'est-ce que... Mon bébé! Il est vivant! Je vais le sauver! Non, stop! Ils sont armés et dangereux! Faites attention! On n'est jamais mieux servi que par soi-même! Chérie, je viens te sauver!
Elle est fichue, je veux pas regarder ça. Et voilà mon ange, mon bébé. Quoi? C'est quoi ça? Je crois que c'est un chat. Oui, j'avais remarqué, merci. Allez, viens, chaton. On rentre à la maison. Miaou, miaou. Au revoir. Bande de crétins, je vais vous faire rétrograder. Vous allez finir votre carrière à la circulation. Oh, papa! Papa!
papa. Précédemment dans les lapins crétins. Mon sondeur mental est prêt. Je vais être le premier humain à explorer l'esprit d'un lapin. Maman. C'est une catastrophe. Nos deux esprits ont été échangés. Lui, c'est le lapin. Il est moi et je suis lui. J'en ai assez de toutes ces expériences ridicules. Super, merci beaucoup. Ah, je vois. Vous aimez quand je parle. Vous n'êtes pas très malin quand même. Allez, c'est bon, moi j'en ai ma claque. On s'est bien amusé, mais j'ai pas que ça à faire. Je dois aller récupérer mon corps. Ah, mais vous me vénérez vraiment ? Eh, finalement, c'est pas si... John, vous devriez peut-être consulter. Aïe, fais gaffe! Mais enfin, c'est pas possible. Hey, regardez là-haut. Bois. Ouais. Oh non, encore toi. Bois.
Bois. Ça risque d'être long. Ah non, hein, ça suffit avec cette planche maintenant. Ah bah voilà, c'est déjà mieux, non, non. Tout doux, John. Je vérifie juste votre activité cérébrale. C'est pas bon signe. Venez, maman. Change ma couche, s'il te plaît. Hé, hey, toi. Comment? Fais A. Et hop là. Maman, j'ai faim. Oh, bois. Comment ils font pour courir avec ces petites pattes? Maman, j'ai faim! Oh, non, 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 reculez! Dégagez! Je ne suis pas votre roi! Voilà, c'est ça, bravo! Restez sage encore quelques minutes, John! Expérience 548, comparaison de l'activité cérébrale de John avec celle d'un lapin crétin. Laissez-moi, laissez-moi où. Oh, je suis revenu. Hé, hey, patron, c'est moi, John. Je peux tout vous expliquer. C'est compliqué, mais je peux tout expliquer. Ça commence. Vite, patron, il faut inverser le processus. Il faut inverser les ondes cérébrales et bloquer les impulsions nerveuses. Ok, inverser les impulsions et bloquer les ondes cérébrales nerveuses. Patron, oui. Faites quelque chose, ça fait vraiment mal. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Je suis Romoi. On a réussi, patron. John, qu'avez-vous fait? Dites-moi que c'est seulement un cauchemar. Je ne veux pas être un lapin crétin. Son armure et ses troupes. Il perdit aussi son cheval.
pardon, sire. Diantre, serait-ce le légendaire épée Excalibur? Oh, oh, vous êtes l'élu, sire! Il est dit que celui qui brandira l'épée régnera sur le royaume de Bretagne! Je savais que la chance me sourirait! Marchons sur la Bretagne! C'est par où? Là. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un lutin? Il semblerait que ce lutin parle breton. Hé, hey, dis-moi, cher lutin, ton royaume est dans quelle direction? Ah, arrière! Joyeuse tournée pour Seigneur, voilà qui trouve à ce lutin. Alors, dis-nous où est la Bretagne? Ne trouverai-je donc jamais ce fichu royaume de Bretagne? Il semblerait que ce coffre magique nous ait conduit directement au royaume de Bretagne. Grâce à la jolie boîte magique, le seigneur Olin. Ah, oyez, oyez, fier lutin de Bretagne! Veuillez saluer Sir Rolin, votre souverain détenteur d'Excalibur. Excalibur! Tu vas la voir! Reviens, espèce de quoi? Je veux t'en prendre! Tu ne comprends pas! Aucune forteresse ne peut me résister! Voilà une bien triste fin pour notre petit lutin! Troufardin, attrape cette épée volant! Mais qu'est-ce que... Quelle est cette sorcellerie? J'y vois plus rien! Seigneur! À moi! Reviens ici, sale créature maléfique! Ce sale ennemi! Pardon, mes filles! Ça, c'est encore moi.
Gina. Comme il me reste encore un millier d'œufs à marquer, vous pouvez commencer sans moi. À plus tard. À plus tard. Allô, Yuri, tu livres bien le stock de céréales Tracos aujourd'hui? Ah, John, les céréales seront livrées par avion de Yuri aujourd'hui. Wow.
Ce soir, les forces de l'au-delà sont insatiables. Il est de notre devoir de les satisfaire, car nous sommes leurs humbles et dévoués serviteurs. Alors, si j'étais une alarme, où est-ce que je me planquerais? Bingo. Ok. Bon. Qui est là? Je commence à être parano avec l'âge, moi. Hop, et celui-là, il va là. Parfait. Oh, esprit, manifeste-toi. Frappe trois fois. Qu'est-ce que... Hein? Trois coups? Il a répondu? Évidemment, j'ai invoqué l'esprit et il a répondu à mon appel. Wow.
Mmh. Ah. 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 Après la lumière viennent les ténèbres. La lumière, les ténèbres. La lumière, les ténèbres. La lumière. Oui, bien sûr. L'esprit attend ses offrandes. Beaucoup d'offrandes. Ici. Vous vous croyez où? Dans un cirque? Allez, fichez-moi le camp! Ne m'obligez pas à venir voir! Je sens que mes pouvoirs psychiques entrent en contact avec lui! Ah, l'esprit! Il se manifeste encore une fois! C'est qu'il nous a choisis! Nous sommes ses élus! C'est pas normal, c'est pas normal. Ça suffit. Je me fais trop vieux pour ces... L'esprit, il essaye de me parler. Vous n'avez qu'à m'attendre ici. D'accord? Et tant que vous y êtes, vous n'avez qu'à vous prosterner devant notre idole. Ces jeunes regardent beaucoup trop la télé. Non! Mon argent! C'est l'esprit. Regardez, c'est l'esprit. L'esprit. Salsa cha-cha-cha, à vous. Hip-hop sushi Zulu, bien reçu. Le hangar est gardé par un chien. Terminé. Passez derrière. Sur le toit, vous trouverez un conduit d'aération. Terminé. Taisez-vous, il ne faut pas faire de bruit. Arrête. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, agent 0068. Alors dépêchez-vous. Bien sûr, cha-cha-cha. Je déclenche l'opération. Terminé. Bye-bye.
chercher. Est-ce que tout va bien? Vous êtes en danger? Non, je maîtrise. C'est parti. Alors, fini de jouer. Agent 0068, je ne suis pas sûr que nous ayons la même définition du mot accompli. J'ai dit ça, moi? Oui, madame. Voilà pour vous, les enfants, de belles bananes. Vous vous attendiez à quoi? Des bonbons? C'est dépassé tout ça maintenant. Ce qu'il faut, c'est manger 5 fruits et légumes par jour. À l'année prochaine.
Dis-moi que c'est une blague. Allons-nous-en. Thank you.